Et voici le top qui est donné du coup d'envoi de la seconde mi-temps. Mi droit belge. Puskas. Dans l'équipe du Standard, en blanc à gauche, dans les buts Nicolai. Arrière maintenant Del Sol, la balle au pied qui descend. Glisse au centre à Terrada. Puskas en position de tir, tire. Et meurt. Mais donne à Ouf. Le Congolais Bonga a obligé Isidro à effectuer un vol plané. Et ce qui est très puissant, très grand, très costaud, vous l'avez vu, n'est pourtant âgé que de 20 ans. Quelle précision, même en passant entre les jambes écartées d'un adversaire, les joueurs madrilènes réussissent à porter le ballon et le jeu dans le camp adverse, dans le camp liégeois. Ici Puskas, Rento, qui encore entre les jambes d'un adversaire a réussi à passer. Et voilà Puskas, Rento bien servi, qui fait un tir à ras de terre. Mais il serait dangereux de vouloir ridiculiser sur le plan technique les joueurs du Real. Et voici Puskas qui effectue un changement d'aile en donnant Rento, qui fait un centre pour Puskas, un tir terrible du gauche. Il y a 13 minutes que la seconde mi-temps est commencée. Les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Une tête va rencontrer le 2 mai prochain à Amsterdam l'équipe portugaise de Benfica. Un très beau 1-2 entre Di Stefano et Rento. Di Stefano à Puskas. Puskas qui donne à Di Stefano qui tire à côté. Plus étroitement possible, l'un Puskas, véritable avant-centre, l'autre Di Stefano, véritable stratège de son équipe. Ici Puskas. Interception. Et par Puskas maintenant. Par Vlir. Il la récupère cette balle. Et la donne à Puskas. Puskas qui a commis une des rares maladresses que nous lui ayons vu commettre au cours de ce match. Réussit à conserver la balle tout de même devant Bonga. Et la donne à Rento. Donne au centre à Puskas. Qui redonne à Di Stefano en position. Puskas qui ne réussit pas à passer à Di Stefano. C'est Bonga au contraire qui intercepte et... Puskas. Isidro, Puskas qui ne peut pas reprendre. Isidro. Isidro pour Puskas. Isidro encore. Qui continue. Donne à Puskas. Ah là, ça n'a pas marché. Isidro. Puskas. Rento. Voyez comme tout cela. Di Stefano qui va essayer de partir en combinant avec Puskas, c'est ça. Et voilà Di Stefano lancé, mais il arrivera trop tard, oui, car Nicolai est sorti au devant de la balle et la donne à Bonga. Bonga, ici M. Delson, qui a donné une balle très précise à Puskas. Puskas perd cette balle pour Bonga. Mais Bonga s'empêtre. Le ballon dans les pieds. Il a été chargé irrégulièrement. C'est un nouveau coup franc qu'on lui a. Et voilà. Puskas a glissé à Di Stefano. La balle revient à Puskas au centre. Et le festival recommence. Le festival madrilène s'entend. Dégagement très long de Araquisten. Et là, Rento a mystifié son adversaire direct pour effectuer un très bon centre sur Puskas qui a voulu en retourner. Il joue très décontracté, très ouvert. Di Stefano lançant Puskas. Puskas redonnant à Di Stefano. Di Stefano qui est Real va réussir par Rento cette fois. Rento, Puskas, Puskas, Rento, encore Puskas, Puskas, encore Puskas qui lance Di Stefano, encore Puskas,
Et Puskás est arrêté. Il réussit à conserver la balle. Il a trois adversaires pourtant sur lui. Il les contourne, donne à Rento. Quel style! Ne manque pas l'occasion de lui adresser le ballon. Politesse est rendue. Puskás lance encore une fois Rento qui donne à Di Stéfano au centre. Di Stéfano ne fonce Santa Maria de la tête, intercepte. Et voici Puskás lancé encore une fois au centre. Ah, il donne une très bonne balle à Santisidro qui tire dans sa poulet. Reprend. Et tire. Que va-t-il faire? Un long centre pour Puskás qui donne à Di Stéfano, qui redonne à Puskás. Puskás à Di Stéfano. Oui, on voudrait que Di Stéfano marque un but, ça se voit. Et voici le coup de sifflet final de M. Schulenburg.